Hey, bonsoir les amis, c'est Fox. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo que je voulais faire depuis plusieurs jours, parce que lundi, en fait, je suis retourné faire les soldes, étant donné que je n'avais pas trouvé grand-chose, tout de même avec mes Tales of Symphonia, Tales of Auxilia, et puis surtout, c'était des prix qui étaient quand même assez élevés, pas vraiment appeler ça des soldes à petit prix, et je suis allé à Jiffy. Depuis quelques mois, j'allais régulièrement à Jiffy, notamment pour regarder un jeu spécialement qui me plaisait et qui était à 15€, 14,95€. Et je demandais régulièrement aux caissières, alors quand va-t-il baisser de prix? Et elle me répondait toujours la même chose, je ne sais pas. Évidemment, là, je m'attendais encore à la même chose, retrouver les jeux à 15€ ou alors qu'il n'y en ait plus. Effectivement, en arrivant, je n'en ai pas vu. Je me suis dit, ça y est, c'est grillé, c'est mort, ils ont été pris, ces jeux-là. Et il y a un vendeur qui me dit c'est plus loin le bac avec les soldes. Et là, j'ai halluciné parce que j'ai vu enfin ce jeu. Je vous le présente, c'est Gradius Collection. Une compilation des jeux Gradius et Shoot'em Up qui regroupe plusieurs Gradius. C'est le 3, le 4 et le 5. Non, le 1, le 2, le 3, le 4 et Gradius Gaiden. C'est un jeu que j'ai connu essentiellement via Nono 90. Nono. Qui l'a dans sa collection et qui en a pas mal parlé. Moi j'aime beaucoup les shoot'em up également. N'ayant pas de PSP, c'est pas grave, je le voulais quand même parce que justement quand j'en aurai une, je vais bien m'amuser avec ça. Et comme vous le voyez, 2€. Alors allons au lieu de 15€. Complet bien sûr, notice. C'est pas du neuf parce que ces jeux ils traînaient, oui, dans ces bacs depuis des lustres, je pense, et c'est pour ça que je sentais bien probable une belle réduction de tout ce stock. Et j'ai vraiment bien fait, effectivement, pour les soldes de janvier, ils y sont allés fort. 2€ au lieu de 15€. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, quatre, cinq et six. 6 Gradius Collection pour 2€ l'unité, calculé, ça fait 12€, même pas le prix d'un seul à la base. Vraiment satisfait et assez heureux de ces Gradius, vraiment là, c'est le top. Ça fait vraiment plaisir de trouver ça. J'ai tout pris en fait, hein. Je suis désolé, j'en ai pas laissé. Mais ça faisait tellement longtemps que j'étais là à cran pour ces jeux que vraiment, j'ai pas hésité. Il y avait d'autres jeux, notamment sur PSP. Un petit Kazook, c'est apparemment un jeu, des mini-jeux, 30 mini-jeux, je ne m'en sais pas plus, vous pouvez réagir bien sûr à tous ces jeux, si vous les connaissez. Star Trek Tactical Assault, encore un jeu à 2€, de toute façon c'est toujours 2 ou 1€, vous allez voir. Bon, je passe assez vite, hein, parce que non seulement je ne les connais pas, mais en plus il y en a vraiment beaucoup. Sur GameCube, Desert Storm, alors celui-ci, ça me dit quelque chose quand même, j'avais notamment vu des jeux sur Xbox, toute la série des Desert Storm, etc. Un jeu de guerre, bien entendu. J'en ai un, et j'en ai deux. 1€ pièce. On va passer ensuite, toujours à des jeux à 1€. Celui-ci, que j'ai pris le lendemain, parce que je suis retourné, Dancing Stage Megamix. Pourquoi j'ai pris ce jeu? Essentiellement parce que c'est Konami qui l'a signé. Quand vous voyez l'ancien prix 20€, vous hallucinez complètement. Je ne comprends pas. Ça devait être il y a longtemps. 1€. Un jeu que l'on voit régulièrement, pas très cher, mais là, 1€, c'est quand même imbattable. C'est Eternal Quest. J'en ai un, j'en ai deux, et j'en ai trois. Et il y en avait encore d'autres. Alors, il y en avait peut-être 10 ou 15 dans le bac. Hallucinant. Eternal Quest. Un jeu qui me fait bien plaisir, c'est le Galerian H. Celui-ci, j'avais hésité à le prendre carrément au prix fort. Le prix fort, c'était 9,99€. Et là, j'ai eu pour 1 ou 2€. C'est la suite du Galerian sur PlayStation 1 que je possède en big box. C'est une histoire, ils appellent ça de l'action psychique 3D. C'est un personnage qui est doué de pouvoirs psychocinétique, télékinésie pour faire déplacer les objets et puis essentiellement vaincre avec la force de son mental.
C'est un bon jeu dans le genre survival horror. J'ai fait le début, enfin les cinématiques, lancé un petit peu le jeu. C'est beaucoup plus joli que sur PS1, ce qui est normal. Détonator, une vraie bouse, enfin une bouse. J'ai essayé, c'est un petit jeu en fait, on doit détruire des immeubles, sauf que les immeubles sont représentés par une sorte de petit Rubik's Cube. Enfin, ça n'a pas l'air génial, quoi. C'est détonateur. 1€. Pareil, The Seed Warzone. Alors, ce jeu, c'est assez hallucinant parce que c'est une sorte de shoot'em up, mais avec une grosse partie stratégie et même des éléments de RPG. On comprend vraiment rien quand on s'y colle. Je pense qu'il faut y passer des heures pour maîtriser un peu le gameplay. Kim Possible. C'est un jeu Disney. J'en connais pas plus, donc j'ai essayé un tout petit peu, mais apparemment c'est un jeu tout simple de plateforme. Peut-être adapté d'un dessin animé, je ne sais pas. Kim Possible, 2€. Après cela, quelques jeux sous blister. Buzz. Un quiz musical. SingStar Pop Hit 2. SingStar Pop Hits 3. Et attention, le ABBA. Pour faire du karaoké sur les titres de ABBA, bien sûr. Je pense que ça va parler aux plus vieux d'entre vous, ce groupe qui est mythique. Bon, j'ai pas les micros et tout le matériel idoine pour faire ces jeux. Mais sous blister, ça se prend quand même pour 2€. C'est sympa pour la collection. C'est à ce moment-là, en fait, qu'au moment de passer en caisse, le vendeur, qui était très, très gentil déjà à la base, me dit ah zut, les Gradius Collection, je retrouve pas les UMD. Il appelait pas ça comme ça, il savait pas comment ça s'appelait, les CD. Enfin, il se met à chercher avec sa collègue, une dame assez âgée, et il cherche pendant un quart d'heure sous la caisse où étaient les UMD de Gradius, et il trouve pas. Et ça dure un quart d'heure, alors il déballe tout, c'était assez loufoque. Tous les classeurs avec des CD dedans. Et c'est là que je dis, mais vous savez que vous avez des CD, des DVD qui ne correspondent pas avec ce que vous avez en rayon. Ils disent, ah bon. Et en effet, il y avait des jeux PlayStation 1. Moi, je n'avais vraiment pas vu dans les bacs. Hein. C'est là qu'il me dit, ah oui, mais ça, c'est autre chose, ça date, c'est pas de cette année. Et je demande d'avoir une caisse de jeux PlayStation 1 qui était caché en haut d'un rayon. Et il me sort des jeux que j'ai pris. Sur Game Boy Advance, par exemple. Oh, attention. Sur Game Boy Advance, par exemple, ce jeu de karaté. Karaté International Advance. Pour 2€. Alors qu'il était à 20 quand même. Bon, c'est pas du grand jeu. Mais vous avez vu l'état. C'est neuf. Juste un peu abîmé à force d'être manipulé. Précédemment, hein, pas cette année. Elf. Un jeu tiré d'un film, je ne connais même pas le film, même pas l'acteur, mais ça a l'air plutôt sympa. Et un jeu de foot, mais j'ai pris ISS, parce que c'est Konami tout simplement, et puis je me suis dit, un jeu de foot sur GBA, ça peut être sympa, parce que franchement, moi j'ai jamais testé un seul jeu de foot sur console portable. Vous peut-être, mais moi pas. On va voir ce que ça donne. Et les jeux PlayStation 1, alors c'est pas du grand jeu, c'est pas du grand titre, c'est pas puissant, mais c'est sympa quand même. The Ultimate Invasion, alors je prononce comme je peux, un jeu tiré de l'univers des Ghostbusters. J'ai essayé 2 minutes, ça ressemble un petit peu à un rail shooter, et c'est pas terrible. Voilà, c'est essentiellement un jeu de tir qui peut se jouer à l'aide d'un gun, d'un flingue qu'on peut avoir bien sûr séparément, ou à la manette, comme on veut. Future Racer, à chaque fois ces jeux sont complets avec la notice bien sûr. Future Racer, un jeu qui fait penser un petit peu à Wipeout, sauf que là ce sont des robots qui se tirent la bourre et qui s'affrontent en duel, en time attack, etc. The Hunter, alors ce jeu c'est comique parce que je l'ai essayé et j'ai pas réussi à m'extirper du menu, je suis resté bloqué dans le menu et ça a l'air d'être une sacrée bousasse, une sorte de jeu de stratégie mêlé de RPG, ils appellent ça un jeu de rôle, mais là franchement je n'irai pas jusque là. Allez-y, vous pouvez me parler, sauf le dessin qui est pas mal je trouve, avec cette espèce de
cette espèce de monstre à moitié loup-garou, je ne sais pas. J'ai pris aussi Shadowman en deux exemplaires. Alors Shadowman, c'est un jeu qui a très mal vieilli, je l'ai essayé. C'est un délire en fait sur le vaudou et sur une histoire d'âme noire à récupérer ou à chasser. Enfin, c'est assez dark. Dommage que tout simplement la réalisation date vraiment, parce que j'ai essayé et ça pique les yeux. De sang-froid en deux exemplaires, 2 euros, toujours à chaque jeu 2 euros. De sang-froid, un peu plus intéressant à mon avis, c'est un jeu d'aventure qui fait un petit peu penser au Chevalier de Baphomet, et avec un mélange d'Oddworld ou de jeux comme ça. Enfin, je n'ai pas assez joué pour faire des comparaisons comme ça un peu hasardeuses, mais un jeu d'aventure en tout cas avec un inventaire, des objets, des icônes à cliquer. On est dans un univers inspiré d'un film, je crois bien, et sympa, un jeu à posséder pour la collection. Et même pour jouer, hein, on peut s'amuser, il n'y a pas de problème. Alors tout ça, c'était ce que j'ai trouvé à Jiffy sur 2 jours, mais en fait essentiellement la première journée. Et en fin de première journée, par rapport au classeur où il y avait tous les anciens jeux et où j'avais repéré les différences, c'est-à-dire les jeux qui étaient abandonnés, qui étaient en loose, il n'y avait plus de boîtes qui existaient, même dans les caisses qu'il a descendu, le gars du rayon. Donc j'étais toujours là à dire celui-ci, je suis certain il n'y est pas. Et étant donné qu'à Jiffy, s'il n'y a plus de boîte, ils ne peuvent plus pointer les prix, et donc il n'y a plus trace, il n'y a plus de preuve, il n'y a plus rien, ça ne leur sert à rien de conserver les jeux en loose. Et par voie de conséquence, j'ai eu comme cadeau le Final Fantasy V, qui est issu du jeu Final Fantasy Anthology, qui comporte 2 CD, il manque le Final Fantasy IV qui fait partie de la boîte, mais rien que celui-ci, c'est quelque chose quand même. C'est Squaresoft, hein. C'est quand même un grand jeu de rôle. Et le jeu que j'ai réussi à avoir en cadeau aussi le lendemain, parce que là il fallait qu'ils vérifient vraiment plusieurs fois qu'ils n'aient pas la boîte, et ils n'avaient pas, je suis super content, c'est Silent Hill 2, la version collector. Où il y a le premier CD et le deuxième, où ça doit être des bonus ou quelque chose comme ça. Ils étaient en loose, hein, c'est moi qui ai rajouté des boîtes qui me restaient pour les protéger. Bien content d'avoir ça. Alors si jamais vous avez une boîte cartonnée, la boîte en fait du collecteur Silent Hill 2, une qui est vide et qui ne vous sert à rien, ben, vous pouvez me contacter, me la proposer, même l'acheter à petit prix. Pas cher quand même, parce que en fait, le Silent Hill 2 il cote autour de 10-15 euros. Il n'est pas encore très cher, mais c'est un très bon jeu. Je l'ai essayé et on retrouve l'ambiance brumeuse du premier. Et on sait pas trop ce qui va nous tomber dessus, quoi. C'est vraiment l'angoisse bien réalisée à l'écran. Voilà, c'est tout pour Jiffy. C'est ce Jiffy qui m'a vraiment porté chance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'ai trouvé. Il y a, je crois, pas loin de 30 jeux, 26, 28, enfin c'est assez énorme, pour une somme de combien le premier jour, ouais, 55 euros, par là, 55 euros pour tout ça. C'est vraiment pas cher et c'est peut-être pas des jeux extraordinaires, mais je suis bien content. J'ai continué mon parcours et je suis arrivé dans un magasin de jouets où je savais qu'il n'y avait plus de jeux, parce qu'ils n'en font plus, à part un Charlotte aux fraises qui, derrière une vitrine, un Charlotte aux fraises Game Boy Advance qui était vendu 35 ou 40 euros, qui est arrivé à 12, même à 12, ça ne m'intéresse pas. Et là, surprise, je tombe sur quelque chose d'étrange, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pris cela, c'est une boîte, comme vous voyez, d'une figurine de Saint Seiya, c'est Pandora. Voilà, je vais retirer le premier carton qui est légèrement abîmé. Voici la boîte de Pandora. Je vais mettre quelques images, quelques photos de l'intérieur. Mais bien entendu, je n'y connais rien dans Saint Seiya.
Je pense que c'est par rapport au royaume des enfers, quelque chose comme ça. Et la figurine a une harpe et un socle. Enfin, elle est jolie. Et donc, si Fuman et Carolo Gaming peuvent me donner des précisions sur la valeur de cet objet, sur sa rareté, etc., sur tout ce qu'elle vous inspire, moi je le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que au départ c'était. C'est marqué là. Au départ c'était 49,99 et puis il y avait marqué 10,80 €. Et quand je passe en caisse, elle me dit oui, mais non, en fait c'était pas pour cet objet là. Et je dis d'accord, mais le prix était dessus, donc quand c'est étiqueté, normalement c'est comme ça. Et c'était en fin de journée, elle dit ok, je m'en fous, je me compte même 10 €. Alors j'ai payé ça 10 € au lieu de. Je sais pas. 10 € pour cette figurine de Saint Seiya en boîte et neuve, à part le carton qui est un petit peu morflé, le premier carton. Dans un autre cache, j'ai fait une visite éclair, cette fois pour prendre Fête de la Magie sur DS, un coffret bien sympathique à l'intérieur duquel il y a un jeu de cartes, et le jeu bien entendu, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est très serré quand même, hein. J'ai même déchiré un petit peu le carton en voulant retirer le jeu de cartes et le jeu qui sont un peu trop rapprochés. J'ai pas encore testé le jeu, mais c'est un petit coffret que j'avais vu dans une vidéo des trésors du grenier, qui l'a trouvé aussi pour le même prix, 4,90 €. Il y a quand même marqué 30 € derrière, prix Leclerc, 4,90 €, ça se refuse pas. Et puis moi j'aime bien tout ce qui est par rapport à ce qui est autour de la magie, ça m'éclate bien. J'avais réservé un jeu, c'était Children of Mana. C'était déjà la fois d'avant, ça. Mais malheureusement, il retrouvait pas la petite cartouche. Et cette fois, je lui dis, alors vous l'avez retrouvé? Il me dit non. Alors, je dis, tant pis, le jeu, la boîte, vous allez en faire quoi finalement? Ben rien. Alors, j'ai récupéré. Alors, j'ai la notice, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas le jeu. Children of Mana. Je pense que je vais me débrouiller pour trouver le jeu, parce que c'est quand même un jeu de Square Enix et ça m'intéresse de le tester. On a presque fini, je voulais aussi vous montrer un jeu que j'ai acheté tout simplement sur un site marchand. Je crois que c'est un bon coup quand même, parce que pour ce prix-là, c'était pas vraiment une solde. C'était pas vraiment soldé, mais tout simplement, il n'y avait pas d'enchère. Donc quand il n'y a pas d'enchère, des fois, il faut en mettre une et puis on remporte l'objet. C'est tout simplement Castlevania Mirror of Fate, sous blister 9, pour 13 € port compris. Port compris, hein. Génial, j'adore les Castlevania, comme vous savez peut-être, ou pas, j'en sais rien. J'adore les Castlevania et je compte bien me prendre tous les Castlevania, notamment sur DS, parce que je vais les tester, ils sont bien sur DS. Je ne terminerai pas cette vidéo sans vous faire part du cadeau que j'ai reçu de Fuman. Il y a quelques temps, il avait organisé un concours sur sa chaîne, concours que j'avais gagné en partie pour une des questions qu'il avait posées. Et il m'avait proposé un jeu, et en fait il m'a envoyé plusieurs choses. Il m'a envoyé, c'est super sympa, un DVD de la légende de l'oiseau sans ailes. Ça m'intéresse de voir ça, et c'était pas du tout prévu. Donc merci beaucoup Fuman, c'est super cool, super sympa. Il y a aussi le jeu et encore autre chose, c'est du jeu japonais. Et c'est vraiment cool. Alors je pourrais pas tout tester bien sûr, parce que j'ai pas de quoi faire tourner un jeu japonais, mais c'est super sympa. Et puis ça aussi, ce petit DVD qui est une présentation de jeux GameCube. Voilà. Attention. Qui est une présentation de jeux GameCube, d'une 120 jeux GameCube. Alors je te remercie Fuman pour ces cadeaux, et surtout qu'il y en a beaucoup, avec en plus un petit mot que je ne montrerai pas, bien entendu c'est personnel. Et vraiment, écoute, je te remercie tout simplement, et on va continuer l'aventure des vidéos tous ensemble, et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, toujours dans notre belle passion qu'on partage sincèrement. C'est fini les amis, je voulais quand même vous montrer des amiibos supplémentaires, et oui je sais, à chaque vidéo je vous casse les pieds avec les amiibos parce que j'en montre... Mais énormément, et en plus j'en rajoute sur ma page Facebook, bref. J'ai pris le Luigi, qui a une drôle d'attitude je trouve, je sais pas ce qu'il fait la planche, mais
À quoi il joue là? Je trouve cette attitude très étrange, je comprends pas, mais pourquoi pas, une sorte de mouvement particulier. Et Pete de jeu de Kid Icarus, c'est ça, parce que je me suis pris un peu la honte avec Lovecraft en lui demandant de quel jeu était issu ce personnage. Bon, ça fait pas, hein, je sais, et ben, on ne peut pas tout savoir. Et ouais, bah, c'est vraiment de belles figurines. Maintenant, je commence à en avoir beaucoup, puisqu'il me manque que le villageois et le boxeur, je ne sais plus comment il s'appelle, Mac quelque chose, le boxeur de la saison 2. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Partagez, faites ce que vous voulez. Vous pouvez liker, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais appréciez en tout cas cette vidéo. Et puis, je vous dis à plus pour. Maintenant que la période des soldes est terminée, il y a un vide-grenier le 25. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je continue de faire des vidéos si je trouve des choses. Et puis, ainsi va la vie. Bonne nuit, à bientôt, c'était Fox. Telling myself, the dead person can't write a letter.